Bonjour à tous et à toutes les amis, donc heureux de vous retrouver aujourd'hui en la présence de Jeff, le modérateur de la chaîne et mon associé qui s'occupe aussi de la chaîne, pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, les changements de la chaîne et ses options. Donc nous allons commencer de suite la vidéo après ça. Donc les amis, je vous remercie tous d'être présents sur la chaîne, merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Pour mes fidèles abonnés et les anciens abonnés, merci pour votre soutien. Donc n'oubliez pas dans la rubrique communauté, vous avez deux options disponibles sur la chaîne à l'heure d'aujourd'hui pour du coaching, dont une à 0,99 centimes d'euros pour tout ce qui est standard et problème d'armement et pour quelques petits conseils, et une autre beaucoup plus pointue sur tous les gros problèmes que vous puissiez avoir sur du matériel, l'armement, etc. et tout ce qui se concerne et qui tourne autour de l'armement, et puis des liens que je pourrais vous donner ou d'autres choses que je pourrais vous faire avoir suivant le coaching que vous prendrez. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse au niveau de la chaîne. Alors, nous allons discuter un petit peu avec Jeff de plusieurs choses qu'on va mettre en place sur la chaîne. Donc la première chose qui a été mise en place, c'est la vidéo qui est sortie la semaine dernière, notamment sur les options de la chaîne pour ce qui vous concerne vous. Donc nous avons décidé, Jeff et moi, au moment de la vidéo, ou bien avant la vidéo, on en avait discuté depuis quelques temps, de vous donner la parole, pour que vous puissiez donner votre avis, votre expérience, plus ou moins importante, que ce soit de l'opérationnel ou autre chose, sur l'armement, etc., etc., du matériel, des marques, etc., de façon à ce que la communauté puisse vivre avec beaucoup plus de convivialité et beaucoup plus d'action de votre part, puisque en fait, la chaîne, sans vous, elle n'est rien. Donc automatiquement, je pense que la meilleure façon de remercier nos fidèles abonnés, et arrête-moi si je me trompe, c'est de pouvoir les faire participer. Ça, et puis avoir des avis différents des nôtres. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Donc, une grosse vidéo qui est prévue dans pas longtemps. On en a discuté aussi avec Jeff. Malheureusement, je ne peux pas vous le dire pour l'instant parce que ce serait prendre la mèche. Ouais. Donc voilà. Mais quand elle va sortir, on va vous prévenir parce que franchement, elle va valoir le coup celle-ci. Et on va... Ah, on va rire. Enfin, on va rire et on va rire jaune quand même. Hein. Ouais, je pense qu'on peut avoir des surprises. On va avoir des surprises. On va avoir des bonnes et des mauvaises surprises à mon avis. Donc, c'est un risque qu'on prend au niveau de la chaîne. C'est une vidéo un petit peu osée à ce niveau-là, je pense. Mais c'est pas encore vu. Non, ça n'a pas été fait. Voilà. En tout cas, en YouTube francophone. En YouTube francophone, ça n'a pas été fait. Donc, les amis, ça a été fait pour d'autres choses, mais pas pour nous. Donc, on va mettre ça en place. Donc, ça va être assez difficile à mettre en place. On sera quatre pour faire ça. Et ça va être très sympathique. Et franchement, j'appréhende dans le bon sens parce que j'ai hâte d'y être. J'aimerais pouvoir le faire maintenant. Ouais. Ah oui, j'aimerais trop pouvoir le faire maintenant, mais non, il y a des choses à mettre en place avant, ouais. Du matériel notamment, etc. Mmh. Donc ça va être un petit peu compliqué. Donc vous voyez, la chaîne est en train de progresser. Donc là, c'était pour vous montrer, on fait cette vidéo, pour vous expliquer un petit peu tout ce qui va se passer sur la chaîne. Donc les partenariats, on continue toujours, donc avec Conditions Extrêmes qui sont très sympathiques et très gentils. Je les salue au passage. Il y aura des revues de matériel de plus en plus. On essaiera aussi d'avoir d'autres partenariats. C'est en cours notamment, il faut qu'on y aille peut-être aussi tout à l'heure rapidement. Donc ouais. C'est en cours. Etc. Alors dites-vous bien une chose les amis, on a décidé aussi une chose, donc je pense que vous allez tous la comprendre, donc Jeff et moi-même on en a discuté pendant depuis pas mal de temps, on va ralentir la cadence des vidéos dans le sens où, attention, ne vous affolez pas, on va en faire une tous les 15 jours. Pourquoi? Déjà, c'est énormément de travail. Jeff, qui est ici présent, qui n'y connaissait rien sur la fonction d'une chaîne YouTube en professionnel, etc., t'as vu comment ça se passe? Ouais. C'est l'usine à gaz. Hein. Oui, c'est ça. Donc, ça demande beaucoup de temps. Donc, tout ça, c'est moi qui m'en occupe tout seul, quasiment. Donc, c'est quand même quelque chose qui est relativement dur et lourd à faire. Ça demande beaucoup d'investissement personnel, de beaucoup d'investissement aussi financier. Tu peux pas dire le contraire, hein, t'as vu tout ce qu'il faut. Ouais. Donc, c'est pas n'importe quoi. Donc, dites-vous bien que la chaîne, elle est faite carrée, dans le sens où tout est derrière. D'ailleurs, je suis en train de faire encore des investissements, notamment tout à l'heure. C'est un peu de ta faute aussi. Ouais. Donc voilà, et donc là on va faire une vidéo tous les 15 jours à peu près, mais vous ne serez pas pris au dépourvu puisque de toute façon on va mettre ça en place à partir de cette semaine, et il y aura toujours des shorts, il y aura toujours ça entre deux, et s'il faut je ferai une petite intervideo sur des choses qui peuvent arriver d'un seul coup là, si j'ai du matériel d'un seul coup, quelque chose,
Je vous en ferai part. Je vous ferai une petite pré-vidéo sur la future vidéo, on va dire. Je pense que c'est pas mal ça, non? Ouais. Alors, les amis, on a besoin de vos avis. Donc, dans la rubrique communauté ou notamment d'ailleurs dans la description de la vidéo, dans les commentaires, mettez vos commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Parce que bon, c'est beaucoup de travail aussi pour toi, hein, d'ailleurs, hein, parce que t'as pas que ça à faire et moi non plus. Donc, c'est beaucoup de taf. Donc, on va faire ça comme ça. On a beaucoup de choses qui sont prévues, notamment avec des associations. Donc là, c'est la bonne nouvelle. Normalement, on devrait pouvoir avoir pas mal de choses avec des associations. On va pouvoir faire pas mal de choses sympathiques. Je dirais pas quoi. Ça concerne un secteur particulier, mais ça, bien évidemment, ça a toujours un rapport avec la chaîne et l'armement. Mais ça va être difficile à mettre en œuvre parce que là, on passe sur du. Les vidéos vont être longues à faire. Hein. C'est... longue à faire, longue à tourner. Voilà. À préparer. Ouais. Hein. Donc ouais. Voilà, il faut pas que je sois tout seul. En plus, on peut pas, c'est pas possible. Donc ça va être compliqué. Donc vous voyez. On est en train de faire en sorte d'améliorer au maximum, au mieux et du mieux possible la chaîne. Encore plus du côté professionnel parce qu'on va faire des choses différentes. Là, la vidéo qui va sortir, je le répète, enfin qui va sortir, on ne sait pas quand elle va sortir parce qu'il faut la faire. Mais j'espère qu'il ne va rien nous arriver parce que, oui, on en rigole. Mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont être surpris. Elle va être sympathique celle-là. Oh, punaise. Je pense qu'il y a une heure de vidéo facile. Il y a une heure de vidéo, hein. Donc dites-vous bien que cette vidéo, quand elle va sortir, c'est une grosse vidéo. Et j'ai des idées un peu tordues. Hein. On va voir les réactions, ça va être tendu quand même. Donc voilà, donc ça va être une bonne vidéo. Donc je sais que ça vous met l'eau à la bouche, les amis, hein, mais je suis désolé, je peux pas vous le dire, parce que voilà, on est sur YouTube, donc il y a des YouTubeurs qui prennent les idées des autres, en général, ça se passe aussi comme ça, j'aime pas trop, c'est pas du tout ma façon de faire, et ça j'apprécie pas énormément. Donc... une petite aussi, j'allais dire le mot qu'il faut pas, une petite parenthèse. Sachez que sur YouTube, je l'ai déjà dit il y a longtemps, je le redis, c'est un monde de requins, et je me suis aperçu récemment, notamment avec quelque chose, vous avez l'aide de personne. Je dis bien de personne. Que ce soit YouTubeur, bon, mis à part vos amis et les soutiens de votre famille, autrement dit, derrière, vous êtes tout seul. Donc, comme je l'ai dit, c'est une petite goutte d'eau dans un grand océan, notamment pour notre chaîne, puisqu'en fait, elle évolue dans un milieu... où il y a énormément de youtubeurs, d'influenceurs, etc. Mais c'est un milieu, comment dirais-je, je pense que c'est la mentalité française, je ne sais pas si c'est général, j'en sais rien, parce que bon, toutes les chaînes qui ne sont pas francophones, j'en regarde certaines, mais je ne sais pas comment ils travaillent, si c'est la même mentalité. Mais je tiens à remercier au passage deux personnes, qui vont se reconnaître. Donc la première, c'est Monsieur Sotro, qui lui est un très grand collectionneur au niveau des armes de poing, qui fait des super vidéos, notamment sur les explicatifs et historiques des armes de poing, avec beaucoup de choses. Donc c'est quelqu'un que je salue au passage, qui a été l'un des premiers à me soutenir. Donc énorme merci à lui, ça m'a énormément touché, ça me touche toujours encore aujourd'hui beaucoup. D'ailleurs, il est prévu que je le rencontre, ça je te l'avais pas dit. Non. Donc voilà, on va se rencontrer et on va faire des petites choses intéressantes. D'accord. Mais ça, j'en dis pas plus pour l'instant. Ensuite, je tiens à remercier une deuxième personne. Donc là, c'est un petit peu la vidéo de remerciement. C'est Carnos Ours Gris, il se reconnaîtra, que j'ai assez régulièrement au téléphone, qui est super, qui regarde la chaîne, qui est abonné, et quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben, il m'avertit. En plus, c'est super gentil de sa part, c'est quelqu'un de très bienveillant. Il a une très bonne chaîne, donc ça s'appelle Carnos Ours Gris, donc allez-y. Il fait des bons trucs aussi, et c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'affinités, qui est un YouTuber, et c'est les deux seuls, à l'heure d'aujourd'hui, qui méritent mon plus profond respect à ce niveau-là, parce qu'ils ont été les premiers à me contacter, à m'envoyer des commentaires, etc. Et je trouve ça vraiment très très bien. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est relativement rare, je crois. Et sincèrement, il faut s'accrocher sur YouTube. Vrai ou pas? Ouais. C'est quelque chose d'assez compliqué. Ça ramène pas grand-chose, mine de rien. Question finance, je vous avais dit qu'on fera le bilan. Donc je vais vous mettre ici ce que ça m'a rapporté sur un an et demi. On est à peu près sur un an et demi. C'est vraiment dérisoire. C'est vraiment dérisoire. Donc en fait, dites-vous bien que ce qu'on fait, ce que je fais, ce que Jeff le fait, c'est de notre plein gré, avec passion, avec nos tripes. C'est du temps qu'on vous consacre, c'est du contenu qu'on vous fait, ça demande beaucoup de choses derrière, et c'est pas gratifiant dans le sens pécunier, puisqu'en fait, on n'y gagne rien quasiment. C'est ça. Bon, pour l'instant, on y perd en tout cas. Pour l'instant, on y perd. Ah, oui. Bon, après, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis en place. La rubrique souscription, c'est simplement pour la chaîne, c'est pas pour moi pour me faire de l'argent. Je le précise bien, puisque tu l'as vu aussi toi-même, tu pourras le prouver, que l'investissement, c'est moi qui le fais. Et si j'ai de l'argent de la chaîne,
quand ça commencera à rentrer, en espérant que ça rentre avec les partenariats, ça va pas tarder normalement. Cet argent-là, je vous en ai fait bénéficier avec notamment conditions extrêmes, puisqu'on vous a fait gagner des lots. Donc, même si c'est pas de l'argent, c'est quand même quelque chose. Ouais. Hein, parce que c'est quand même, voilà, c'est payé par eux. Donc, ça, je trouve ça génial. Je les remercie encore au passage. Donc, vous voyez, tout ce qui est pour la chaîne est automatiquement réinvesti sur la chaîne. Je ne le garde pas pour moi. Puis d'ailleurs, ce serait pas honnête de ma part. Et c'est pas du tout dans ma façon d'être et dans ma façon de faire, même si j'y perds au change. Peu importe. Moi, mon seul plaisir, c'est de pouvoir amener mon expérience, de pouvoir amener une petite pierre à l'édifice. Notamment aussi, l'avantage que j'ai, et ça c'est une aubaine pour moi, donc je ne te l'ai peut-être pas dit, c'est de t'avoir toi, puisque toi, t'es quand même assez jeune par rapport à moi, donc tu es novice dans le domaine, ça me permet de te former en même temps. Mmh. Et donc, vous pouvez voir en même temps la différence entre, je l'ai déjà dit, hein, entre quelqu'un qui va débuter, enfin qui va débuter, t'as déjà débuté, mais quelqu'un qui n'a pas l'expérience, avec quelqu'un qui a l'expérience, les conseils qui peuvent lui être donnés, et l'évolution. Donc, sur la chaîne, c'est bien que tu sois présent de temps en temps, parce que ça permet de voir ton évolution. Donc ça, je trouve vachement bien, puisque en fait, ça permet à de jeunes débutants, à tout ce qui est novice, etc., de s'apercevoir qu'en fait, eh ben, ce que ça donne quand on est débutant, la progression qu'on peut avoir, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, parce que soit toi, tu as de l'expérience aussi dans le domaine, tu peux faire des conneries, comme tout le monde, donc ça permet aussi de donner ton expérience et de pouvoir conseiller les novices. Ouais. Donc je trouve ça vachement important. D'ailleurs, c'est plutôt ton côté à toi qui est sur la chaîne. Les amis, donc comme je vous le disais, il y a énormément de choses qui vont se mettre en place. Je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je le redis encore. C'est long, soyez patients. Merci pour tous ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas à partager le lien de la chaîne sur vos réseaux sociaux. C'est super important, ça référence la chaîne. Donc, si vous voulez nous remercier pour notre travail, mettez des commentaires, mettez des pouces bleus, faites tourner la chaîne, faites vivre la chaîne. Le moteur de la chaîne, c'est vous. Sans vous, la chaîne n'existe pas. Donc, merci à vous tous. Et je vous dis à très très bientôt. Pour les prochaines vidéos, peut-être que ce sera la vidéo, on va dire, inédite, parce qu'elle est inédite quand même. Ouais, oui, complètement. La vidéo inédite, je vous l'avais dit, ça. J'ai des idées un peu farfelues, mais je pense que ça va porter ses fruits. On en a discuté, ça va être chaud quand même. Ça va être compliqué. Mais de toute façon, dites-vous bien une chose. Il n'y aura pas de triche dans la vidéo. Peu importe ce qui va se passer, mais il n'y aura pas de triche. Ouais. Ça, je le dis. Hein. On s'en moque. On verra ce que ça va donner. Donc, je prends un risque. On prend un risque, on l'a dit, mais on ne peut pas se faire craquer la chaîne parce qu'il n'y aura pas de danger. C'est pas ça le truc. Mais vous allez voir, vous allez être surpris et vous allez franchement rigoler. J'espère que cette vidéo, quand elle sortira, j'aurai beaucoup de commentaires et beaucoup de vues, puisque on va se donner du mal quand même. Bah, on va peut-être se prendre un mur aussi. On va peut-être se prendre un mur, on verra bien. Et bah tout sera. Il n'y aura pas de coupure en fait. On coupera certains trucs, puisqu'il faudra qu'on fasse des. Je vais pas expliquer parce qu'ils vont comprendre. Ouais. Enfin, qu'on fasse des choses, donc on ne pourra pas se permettre de le filmer parce que ça ne sert à rien, c'est nul, donc on ne faut pas. Et ça va être tendu quand même, je pense qu'à mon avis, ça va être tendu. Ouais. Ah ouais, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien d'illégal, rien de... Non, voilà. On précise, vous rassurez-vous, on n'est pas fous, hein. Et puis ce n'est pas du tout dans notre optique et on n'est pas comme ça. Donc voilà. Les amis, donc comme je le disais, je vous remercie encore d'être sur la chaîne. Merci à tous mes abonnés, mes anciens abonnés, merci pour les nouveaux. N'hésitez pas à partager la chaîne. Restez fidèles, beaucoup de choses vont se mettre en place, comme je l'ai dit, il y aura d'autres. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, vous êtes là pour y participer aussi. Donc c'est super intéressant, je trouve, de faire ça. Ouais. Parce qu'en fait, moi j'ai besoin de l'avis de tout le monde, que ce soit positif, que ce soit négatif. Puisque bon, de toute façon, j'estime qu'une communauté, ça doit vivre, et pour qu'elle puisse vivre, il faut qu'elle puisse participer. Donc même si moi j'en suis le créateur, toi tu es le pilier associé, dans le sens où tu es le modérateur, donc... Celui qui est le plus sévère, c'est lui, parce que c'est lui qui s'occupe des commentaires, et je le remercie pour son travail. Donc, vous n'êtes pas tout seul, il y en a d'autres derrière. Ouais. Donc, et ça va continuer à comme ça aussi. Je passe un petit message rapide. Si il y a des personnes qui veulent participer dans le sens technique, donc je m'entends par là. Montage vidéo, par exemple, amener un petit édifice, s'il a le temps, évidemment, s'il en a envie, vous êtes les bienvenus. Que vous soyez ingénieur du son, par exemple, bon, là, j'emploie les grands mots, hein. Il y en a, ça se trouve, hein. Ingénieur du son, spécialisé en vidéo, spécialisé en marketing, en communication, par exemple, ou d'autres. Franchement, on a besoin de vous. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le, parce que franchement, c'est gratifiant aussi pour nous, parce qu'en plus, ça nous donne de l'expérience. Hein. Et dites-vous bien que je me suis lancé sur YouTube sans rien y connaître dès le départ, il a fallu que je fasse une formation d'emblée. Sinon, on n'en serait pas où j'en suis aujourd'hui, parce que ça a été compliqué. Et il y a des moments où... Je peux vous dire, pour vous faire un schéma rapide,
où franchement j'y croyais pas, vrai ou pas, parce que je t'appelais. Mmh. Ouais. J'avais vraiment pas le moral parce qu'en fait j'en avais marre, ça montait pas. Je voyais des choses sur YouTube qui me faisaient péter des câbles, vrai ou pas, qui me font toujours péter des câbles d'ailleurs. Ouais. Et vu le travail que c'est, que je me donnais, parce que tu peux le dire, hein, faut être honnête, hein, faut dire les choses comme ça, on est honnête. Hein. Tu m'as vu travailler, t'as vu le temps que ça prend, quoi. Oui. Hein, bah, complètement. Voilà. Et tous les à côté, t'as vu tout à l'heure sur l'ordinateur, quand je t'ai montré quelque chose, il a planté l'ordinateur. Ouais. Ouais. Donc, tu vois, ça m'est déjà arrivé de faire une vidéo, de faire un montage vidéo, le truc qui plante, j'ai perdu 2 heures de ma journée là. Mm. Je suis obligé de refaire la vidéo de A à Z. C'est clair. Bon, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. D'ailleurs, s'il y a des abonnés qui s'y connaissent bien en informatique, s'ils peuvent conseiller une configuration accessible financièrement. Ah oui, surtout quand même. Parce que j'ai pas un compte bancaire extensible. Ouais. Oui, parce que là, oui, il va falloir que je change la carte graphique ou je sais pas quoi, parce que là, de toute façon, elle tient pas avec DaVinci Resolve, elle tient pas. Mm. Non, c'est pas compliqué. Elle tient 10 minutes et après, bon, ça plante. Donc voilà. Puis là, ça a planté avec CapCut. Donc CapCut, il est gratuit, il est plus léger, mais bon, ça va pas. Il faudrait que je change la carte graphique. Donc s'il y a des gens qui veulent participer à tout ça, écoutez, vous êtes les bienvenus. On va investir, on va acheter une caméra dans pas longtemps. Enfin, je vais acheter une caméra dans pas longtemps. Je vais acheter du matos. Il y a du matos qui va arriver pour pouvoir faire des trucs super sympas. Donc dites-vous bien que la chaîne progresse. On progresse pour vous. On est là pour vous. On essaye de faire le maximum. Il y aura encore des tutos, ça j'y tiens dans pas longtemps non plus d'ailleurs, on va faire des tutos sympathiques. Mm-hmm. Il y aura les conseils, il y aura tout ça, ça j'y tiens, ça changera jamais, mais on va ajouter des touches supplémentaires. Donc les amis, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les communiquer. Si vous voulez porter un petit coup de main à la chaîne, bah, c'est avec grand plaisir et beaucoup de fierté que vous serez la bienvenue. Donc Jeff, ici présent, s'occupe lui du règlement. On le remettra assez régulièrement pour les nouveaux abonnés, de façon à ce qu'il soit lu, ça j'y tiens vachement, et qu'il soit respecté. Jusqu'à l'heure, tout se passe bien. Donc merci à vous tous. Je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les amis.